Aujourd'hui, 29 octobre, journée mondiale de lutte contre les accidents cardiovasculaires. Au moins un AVC enregistré chaque seconde dans le monde. Ouverture hier des assises de la jeunesse, la question de l'emploi au centre des échanges. Et puis en République démocratique du Congo, l'armée continue de gagner du terrain 4 jours après l'offensive menée contre le M23. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture hier des assises de la jeunesse ivoirienne. La grand-messe réunit des milliers de jeunes autour d'un thème évocateur. Une jeunesse, un emploi, un avenir de paix. La rencontre qui se tient au Palais de la Culture à Trècheville sera marquée par des expositions donc à l'université de Félix Houphouët-Boigny et des réflexions. La jeunesse ivoirienne très préoccupée par les questions de l'emploi. Elle ne manque donc plus aucun rendez-vous où l'on parle d'emploi et des résolutions de l'épineuse question du chômage. Ils étaient donc nombreux ce lundi, les jeunes qui ont pris d'assaut le Palais de la Culture de Trècheville pour s'informer sur les filières pourvoyeuses d'emploi pour certains et pour avoir des opportunités d'emploi pour d'autres. Ce sont nos assises, nous sommes là pour écouter, pour voir les différents modèles que la Côte d'Ivoire a pu nous donner. Et surtout, entendre nos aînés nous montrer la voie de la réussite. On a envie d'entreprendre, on a pas mal de projets, mais c'est comment entreprendre, aller vers qui, c'est ça. La jeunesse ivoirienne ne veut plus aussi rester passive dans les prises de décisions. Elle veut contribuer au développement économique et social du pays. Et les assises lui offrent le cadre adéquat pour exprimer sa vision et ses besoins en matière d'emploi et de restauration du capital social. C'est aussi une occasion pour elle de se voir expliquer les actions majeures entamées par l'État en sa faveur et l'amener à se les approprier. Ce qui est important, c'était donc de mobiliser les structures qui offrent la possibilité d'avoir des emplois. Maintenant, les jeunes viendront avec leur profil et essayeront de voir si ces profils-là correspondent aux différentes offres d'emploi. Très bientôt, le gouvernement instituera les journées de dialogue avec la jeunesse. Les journées du dialogue avec la jeunesse seront le cadre approprié pour permettre aux jeunes de faire connaître leurs récriminations au président de la République et à son gouvernement, qui en retour présenteront aux jeunes de Côte d'Ivoire ce qui est quotidiennement fait pour eux. Il est prévu à ces assises des journées de réflexion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des plateformes d'échange et des rencontres entre les jeunes, les entreprises, les structures de financement et les cabinets de recrutement, et aussi une journée de prière et un concert gratuit. En plus de ces activités, des innovations sont enregistrées. Le lancement du prix du jeune inventeur, la formation des jeunes par Microsoft et la mise à l'apprentissage de plusieurs jeunes par le projet PGDEC. Voilà les assises donc de la jeunesse ivoirienne qui ont démarré hier, qui se poursuivent jusqu'au 1er novembre. Je vous le disais tantôt, la rencontre va se tenir simultanément au Palais de la Culture à Trècheville, également à l'université Félix Houphouët-Boigny pour ce qui concerne donc les expositions. Ce sera au Palais de la Culture et les réflexions vont se tenir à l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, 29 octobre, célébration de la journée mondiale de lutte contre les accidents cardiovasculaires. Les chiffres sont alarmants. Selon l'OMS, le monde enregistre au moins un accident vasculaire cérébral toutes les 5 secondes. Il s'agit donc de la troisième cause de mortalité dans le monde et 5,7 millions de décès sont dus aux accidents cardiovasculaires, toujours selon l'OMS. Le lavage systématique des mains, une pratique qui sauve mais qui, bien malheureusement, n'est pas appliquée par plusieurs personnes. La sensibilisation est donc de mise. La journée mondiale du lavage des mains est le prétexte tout trouvé. Grâce Kandou. 10 étapes en 30 secondes. Le lavage des mains, un geste simple pour sauver des vies. Ce qui permet d'éviter plusieurs maladies, entre autres la diarrhée, la fièvre typhoïde et les syndromes respiratoires aigus. Selon le ministère de la Santé, il y a eu en 2011 plus de 200 000 cas de diarrhée chez les enfants de 0 à 4 ans, soit un taux d'incidence de 57,86%. Pour cette journée du lavage des mains, une sensibilisation s'impose selon la direction du groupe scolaire Amont d'Abu 1 dans la commune du Plateau. Nous comptons leur inculquer cette éducation-là davantage dans nos leçons.
c'est-à-dire en EDAC, en éducation des droits de l'homme, et puis en EHBV. Ces leçons-là se font habituellement, mais aujourd'hui particulièrement, avec cette journée, nous allons encore plus leur faire la sensibilisation. La répétition est pédagogique chez nous. Nous allons toujours leur demander de se laver les mains avant et après les repas, aux sorties des toilettes, après avoir salué quelqu'un, avant de toucher un bébé. Il faudrait que cette habitude-là soit ancrée dans la vie des enfants. Des séances éclatées de pratique du lavage des mains seront organisées dans toutes les écoles primaires de Côte d'Ivoire pendant 30 minutes durant une semaine avec l'appui des COGES. Une autre journée célébrée hier, celle-là dédiée au cinéma d'animation, 10 ans qu'elle a été instaurée. Notez que le premier dessin animé a été projeté en 1892. 28 octobre, journée mondiale du cinéma d'animation. Une journée pour commémorer la première projection d'un dessin animé « Pauvre Pierrot » du réalisateur français Émile Reynaud. Le 28 octobre 1892, la projection de ce dessin animé draine du monde au musée Grévin de Paris. Pour l'Association internationale du cinéma d'animation, c'est un événement historique. Alors, elle décide d'en faire une journée de célébration. L'idée deviendra concrète en 2002 avec la création de la fête du cinéma d'animation. Plus d'une centaine de manifestations sont organisées, projections, expositions et conférences. La journée est célébrée dans plus de 30 pays. En Côte d'Ivoire, pas de célébration officielle, mais l'avènement des films d'animation est bien accueilli dans le monde cinématographique. Poku, Princesse Ashanti d'Abel Kwame, premier film d'animation ivoirien, raconte la légende d'un personnage, la reine Poku, dans la formation du peuple baoulé. Aya de Yopougon de Marguerite Aboué montre l'autre face d'une Afrique qui n'est pas que misère, mais aussi gaieté. Aya de Yopougon décrit donc l'atmosphère joviale et la modernité de Yopougon, un quartier populaire. Alors, matière de bande dessinée, il y a beaucoup de dessinateurs talentueux aussi en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il faudrait qu'ils aient la possibilité de pouvoir faire des bandes dessinées, mais pour ça, il faut des structures. Pour occuper une plus grande place dans le monde cinématographique, les réalisateurs de films d'animation demandent des appuis, notamment une école spécialisée en animation. C'était un reportage signé Marie-Laure Ngoran. Des bandes sonores, des films, des cassettes, autant de supports qui constituent le patrimoine audiovisuel. En Côte d'Ivoire, bien malheureusement, le manque de matériel adapté est un frein à la conservation des archives. Comment arriver à résoudre la question? Les acteurs du secteur ont réfléchi sur le sujet. C'était à l'occasion des Journées du patrimoine. Franck Wadio. Service des archives de la RTI, des piles de cassettes un peu partout, des éléments vidéo, plus de 30 000 à archiver. L'archivage, un travail de tous les instants reconnu par tous lors de la Journée nationale du patrimoine audiovisuel. Il faut cependant adapter les techniques classiques aux outils numériques, une prescription de l'UNESCO, numérisation. Il y a cependant d'autres pistes à explorer. La numérisation n'est qu'un pan de la conservation des archives. C'est un moyen, un support, parce que tout support aussi est appelé à mourir. Donc, même si on numérise les archives, 10 000, 15 000, il faut les renouveler. La journée du 27 octobre est choisie par l'UNESCO pour la célébration du patrimoine audiovisuel dans le monde. Un jour de décalage, c'est-à-dire le 28 octobre, est déterminé en Côte d'Ivoire. Le thème, la contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Un petit tour hors de chez nous pour parler agriculture. Les petits producteurs s'organisent pour le développement de leur activité. Ils souhaitent par ailleurs le soutien du gouvernement. Aujourd'hui, Evelyne récolte des feuilles d'amarante. Cela fait 20 ans que cette cultivatrice travaille ses terres au nord de Libreville. 20 ans qu'elle défend la qualité de ses légumes face aux importations. Evelyne aimerait que le gouvernement gabonais soutienne davantage les petits producteurs. Pas besoin, selon elle, d'aller acheter au Cameroun. Il suffirait de construire des routes au Gabon. S'il n'y a pas la route, la nourriture pourrie dans la brousse, on va la transporter comment? Si tu as au moins 50 régimes de bananes, vous allez les transporter comment? Le manioc, là, les tubercules, tu ne peux pas soulever 5 sacs de tubercules au dos.
Chaque année, le Gabon importe pour 380 millions d'euros de denrées alimentaires. La population rêve d'un autre avenir économique. C'est bien de consommer les produits locaux. Et bon, ça nous ferait encore plus bien si on peut vraiment arriver à l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture gabonaise bénéficie de l'arrivée de Burkinabés et de Ghanéens, des migrants qui rajeunissent un secteur vieillissant. Ils travaillent notamment dans les exploitations autour de la capitale qui forment une nouvelle ceinture verte, un programme encouragé par le gouvernement, conscient du défi à relever dans un pays qui compte 22 millions de terres cultivables. Les Gabonais, quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas une tasse de pétrole qu'ils boivent. Ce n'est pas une tasse de manganèse qu'ils mangent, mais ils mangent du pain, du poisson, de la viande, du poulet, du lait. Ça veut dire que l'agriculture, et c'est le premier devoir du gouvernement de nourrir sa population, et le gouvernement du Gabon en est responsable. Et pour marquer ce changement de cap, ce gouvernement vient d'organiser la première édition de la Foire agricole internationale de Libreville. Violence en Centrafrique, les populations fuient les combats pour trouver refuge donc dans la brousse et vivent dans des conditions précaires. Le village de Bédoyé est ravagé. Les maisons détruites, brûlées, pillées. Dans le nord-ouest de la Centrafrique, des dizaines de villages sont dans le même état. Pour éviter les exactions des ex-rebelles qui ont pris le pouvoir à Bangui, la population a fui. Ici, nous vivons dans la peur. La plupart des gens vivent actuellement dans la brousse. Je reviens ici pour essayer de trouver quelques médicaments afin de soigner mon enfant malade. D'autres ont eu beaucoup de chance, comme cet homme laissé pour mort par ses assaillants et qui montre les traces des blessures. Malgré la peur, certains habitants viennent récolter de quoi survivre. Mais la population se sent abandonnée. Je voudrais que les humanitaires viennent et nous aident, qu'ils apportent des couvertures, des matelas et d'autres choses indispensables pour nous secourir. Une équipe du Haut Commissariat aux réfugiés a pu constater sur place la peur et le dénuement des populations et lance un appel à l'aide. La communauté internationale doit agir. Elle doit pousser le gouvernement centrafricain à fournir la sécurité, à fournir la paix, qu'on puisse atteindre ces populations, les assister et assurer une meilleure protection. Mais ces appels à l'aide n'empêchent pas la violence. Samedi, plus à l'ouest du pays, la ville de Boire a été le théâtre d'affrontements entre les ex-rebelles et une milice paysanne d'autodéfense. Une source militaire a fait état de 12 morts, dont 7 miliciens. En République démocratique du Congo, l'armée gagne du terrain 4 jours après l'offensive lancée contre les rebelles du M23. Elle vient de prendre le contrôle de plusieurs camps militaires, l'armée qui avait déjà réussi il y a quelques jours à mettre la main sur plusieurs localités de l'est du pays, des localités occupées depuis plus d'un an par les rebelles du M23. L'avancée des troupes congolaises aura été fulgurante. Ici, à Kibumba, dans le nord Kivu, en quelques heures, l'armée régulière a repris cette place forte des rebelles du M23. Les violents combats ont jeté sur les routes des centaines d'habitants. Ils craignent une contre-attaque de la rébellion et fuient vers Goma, la capitale de la province, à 25 km de là. Nous sommes très heureux parce que notre gouvernement a finalement chassé les rebelles du M23. Kibumba est la 3e ville reprise aux mains des rebelles en 4 jours dans le nord Kivu. Ces victoires éclairs galvanisent des troupes congolaises qui ont essuyé de nombreux revers militaires ces derniers mois. La population congolaise est derrière nous et nous n'allons pas décevoir notre population parce que c'est notre pays, nous devons restaurer l'autorité de l'État. L'offensive militaire se poursuit toujours plus à l'est du pays. De leur côté, les rebelles en déroute se replient vers les frontières de l'Ouganda et du Rwanda. Ils menacent de se retirer des négociations de paix si Kinshasa ne met pas fin aux hostilités.
Madagascar, toujours dans l'attente des résultats du premier tour de la présidentielle. 5 jours après la tenue du scrutin, les résultats continuent d'arriver au compte-gouttes. La situation est de plus en plus préoccupante. Le site de la commission électorale a été piraté. Et puis l'actualité est marquée en Grande-Bretagne par des intempéries. Des vents à plus de 130 km/h, des pluies violentes, des alertes aux inondations. Le Royaume-Uni subit l'une de ses plus grosses tempêtes en 10 ans. 2 personnes ont trouvé la mort en Angleterre, heurtées par des arbres. Un adolescent est porté disparu depuis dimanche soir. Des dizaines de trains et d'avions ont été annulés. Plus de 200 000 foyers sont privés d'électricité. La tempête devrait continuer sa route vers l'est de l'Europe. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.